Bonsoir à tous. Bienvenue sur votre chaîne de télévision Réveil TV. C'est votre émission Le Retour à la Parole. Donc nous bénissons une fois de plus le Seigneur pour la grâce, pour l'opportunité qu'il nous accorde d'être ensemble pour pouvoir nous encourager, pour pouvoir nous édifier. Donc ce soir nous allons encore par la grâce du Seigneur nous encourager un tout petit peu, profiter de ces temps que le Seigneur permet pour nous édifier. Par la grâce du Seigneur Yeshua, dont nous allons recommander les temps au Seigneur, afin qu'il nous assiste et nous conduise par son esprit. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton esprit. Parle à nos cœurs, dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Que toute pensée captive soit soumise à l'obéissance de ta parole. Au nom de Yeshua, Amen. Donc ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons parler des temps de Lot et des temps de Noé. On va, sans plus tarder, prendre un passage dans Luc, chapitre 17. Donc ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons parler des temps de Lot et des temps de Noé. On va voir ce que le Seigneur veut nous enseigner, veut nous amener à comprendre par rapport au temps de Lot et par rapport au temps de Noé. Donc on est dans Luc, le chapitre 17. On lira à partir du verset 26. Donc j'espère que vous vous portez bien, malgré les temps difficiles. Le Seigneur Yeshua reste Elohim. Donc Luc chapitre 17, on lira à partir du verset 26. Et comme il arriva au jour de Noah, il en sera aussi de même au jour du Fils de l'homme. Verset 27. Il mangeait, buvait, se mariait, donné en mariage jusqu'au jour où Noah entra dans l'arche. Alors le déluge vint et les fit tous périr. Verset 28. Et de la même façon aussi, comme il arriva au jour de Lot, ils mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient et bâtissaient. Verset 29. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Verset 31. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus à ceux qui est resté en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Quiconque cherchera à sauver son âme la perdra, et quiconque la perdra la retrouvera. Merci les frères de la région, on va enlever le passage. Ici c'est le Seigneur Yeshua qui parle, qui échangea avec ses disciples, et il va leur dire une réalité, une vérité qui est spirituelle. Il dit que ce qui arriva du temps de Lot et de Noé arrivera de même dans les jours qui précéderont l'avènement, sinon le retour physique ou l'enlèvement de l'Église. Donc, ce qui arrivait au temps de Lot, ce qui arrive au temps de Noé, va de même arriver, n'est-ce pas, dans les jours qui vont précéder le retour du Seigneur et le départ de l'Église. Alors ensemble, par la grâce du Seigneur, on verra un tout petit peu ce qui a été fait du temps de Lot et ce qui a été fait du temps de Noé. Mais l'accent sera beaucoup plus mis sur l'attitude de Lot et l'attitude de Noé. Donc la première chose qu'on retient ici, c'est que ce qui arriva du temps de Lot et de Noé arrivera de même dans les jours qui vont précéder le retour du Maître. Alors on va étudier un tout petit peu la vie de Lot. Comment Lot s'est-il comporté, conduit, n'est-ce pas, en son temps? Donc, on va prendre comme ça nos Bibles dans Genèse, chapitre 19. On va lire à partir du premier verset. Donc, on va voir ce qui est arrivé du temps de Lot. On verra aussi ce qui est arrivé du temps de Noé. On est dans Genèse, chapitre 19. On lira à partir du premier verset. Or, sur le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au devant d'eux
et se prosterna la face contre terre. Les frères vont lever le passage un instant. Ils vont lever le passage un instant. Donc ici on apprend la chose, la première chose qu'on apprend, c'est que Lot était assis aux portes de Sodome. Sodome était une ville, n'est-ce pas, où Lot habitait, n'est-ce pas? Et on apprend ici que Lot était assis à la porte de la ville. Historiquement et bibliquement parlant, qui avait le droit de s'asseoir aux portes de la ville? C'était des juges, c'était des anciens, c'était des personnes qui avaient une bonne moralité, qui avaient, n'est-ce pas, une bonne notion de la Torah et qui avaient la capacité, en fonction de la Torah, de trancher lorsqu'il y avait des problèmes, lorsqu'il y avait des conflits. Donc on apprend ici d'entrée de jeu que Lot était un juge, que Lot était, on va le dire comme ça, un prophète, que Lot était appelé au service parce qu'il était assis aux portes de la ville. Donc n'est-ce pas, lorsque les gens tombaient dans le péché, lorsque les gens se conduisaient mal, ils venaient vers Lot pour savoir qu'est-ce que la parole dit. Donc la première chose qu'on retient, c'est que Lot était un juge, c'est que Lot était un ancien, c'est que Lot avait, n'est-ce pas, une carrure de quelqu'un qui obéissait à la parole du Seigneur. Il était donc assis aux portes de la ville. Là, c'est la première chose. Pourquoi on doit s'arrêter sur cet élément? Parce que la suite va nous amener à comprendre comment, au fil du temps, cet homme qui était juste, cet homme qui était un juge, s'est petit à petit égaré. Donc, ce sera ça le fil de notre partage. Donc, on retient d'entrée de jeu que Lot était juge assis aux portes de la ville. Ça veut dire que c'était un disciple. C'était quelqu'un qui avait une vie rangée et qui avait la capacité, n'est-ce pas, de traiter les affaires à la lumière de la parole. On va remettre le passage sur l'écran, s'il vous plaît, les frères. Alors, qu'est-ce que le verset 2 nous dit? Il dit, « Voici, je vous prie, mes seigneurs, entrez maintenant dans la maison de votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds, vous vous lèverez de bonne heure et vous poursuivrez votre chemin. » Ils répondirent, « Non, mais nous passerons la nuit sur la place. » Verset 3. Mais il les pressa beaucoup et ils se détournèrent pour aller chez lui et entrer dans sa maison. Il leur fit un festin et fit cuire au four des pains sans levain, et ils mangèrent. On va encore enlever le passage un instant. Il fit cuire des pains sans levain. Comme on le sait dans les évangiles, on apprend que le levain, c'est l'image du péché. Le levain, c'est l'image du mélange. Donc ici, on peut comprendre en esprit que Lot n'était pas dans le mélange. Parce qu'il a fait cure du pain sans levain. Le levain, n'est-ce pas, le pain sans levain, c'était l'image de la sainteté. C'était l'image, n'est-ce pas, de la pureté. Donc on comprend ici que Lot est un homme consacré. Il a donné à ses, n'est-ce pas, ses invités du pain sans levain. Et on sait que le levain, c'est l'image du péché. Le levain, c'est l'image du mélange. Le levain, c'est l'image de la confusion. Le levain, c'est aussi l'image, n'est-ce pas, de tout ce que le Seigneur a en horreur. Donc Lot, c'est un homme consacré, c'est un homme qui était à part. Même dans sa façon de manger, il mangeait pur, il mangeait bio. Il n'était pas, n'est-ce pas, dans une nourriture mélangée. Donc c'est la deuxième leçon qu'on retient. Premièrement, Lot était juge assis aux portes de la ville. N'est-ce pas, c'est un disciple, un homme consacré. Deuxièmement, n'est-ce pas, Lot n'était pas dans le mélange. Lot n'était pas, n'est-ce pas, un pied dedans, un pied dehors. On va remettre le passage, s'il vous plaît, les frères, on va lire la suite. Verset 4, il n'était pas encore couché que les hommes de la ville, les hommes de Sodome, environnèrent la maison depuis les jeunes hommes jusqu'aux vieillards, le peuple entier. Verset 5, ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont venus cette nuit chez toi? Fais-les sortir afin que nous les connaissions. Alors ici, on va enlever le passage encore un instant, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Sodome est une ville impure, impudique. Et c'est même de cette ville Sodome que cette pratique qu'on appelle sodomie est née.
La sodomie, n'est-ce pas, faire des rapports sexuels par l'arrière, que ce soit avec des hommes ou des femmes, c'est né justement là-bas au niveau de Sodome. Parce que qu'est-ce qui caractérise la vie de Sodome ici, là, n'est-ce pas, fait la dépravation de mœurs, fait le chaos, c'est la confusion, l'homosexualité, le lesbianisme, fait le péché. Ici, on voit que depuis les vieillards jusqu'aux jeunes hommes, ils sont tous arrivés chez l'autre voulant coucher avec les deux anges, avec les anges qui sont arrivés. Pourquoi cette attitude? Parce que justement la ville de Sodome est une ville impie, est une ville impudique, une ville de débauche, où depuis jusqu'au vieillard, au plus jeune, il n'y avait plus de bonne moralité. Et toutes les nations aujourd'hui convergent vers Sodome. Pareillement pour notre pays, le Gabon. On ne cessera pas de le dire, on l'a déjà peut-être fait vendredi dernier, mais on va encore le redire. D'autres nations sont en train de converger vers Sodome, n'est-ce pas? En voulant dépénaliser l'homosexualité, par exemple. Notre nation, n'est-ce pas, converge vers Sodome, n'est-ce pas, en dépénalisant aussi l'adultère, la loi sur l'adultère et tout cela. Ça veut dire qu'on est petit à petit en train de vouloir corriger le Créateur. Le Créateur a décidé de faire un homme et une femme. Nous, on dit non, c'est pas bon. Faisons deux hommes et deux femmes, ils peuvent aller ensemble, ils peuvent adopter. Et vous voyez que nous sommes vraiment dans les temps de Sodome. Et c'est des temps où le péché grandit de plus en plus dans notre nation et dans les différentes nations. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. La perversion, la débauche, l'ivrognerie, des pères de famille qui couchent avec de jeunes filles et ont l'âge de leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est le monde dans lequel on vit. On vit dans un monde sodomisé. Et on va voir au fur et à mesure ce qui se passait. Et qu'est-ce qu'on retient ici? Depuis les vieillards, donc des personnes du 3e et 4e âge. Imaginez-vous à l'époque, n'est-ce pas, des hommes vivaient jusqu'à 200, 300, 400, 500 ans. Donc imaginez-vous dans une ville comme ça, vous avez un papa de 500 ans qui vient, n'est-ce pas, parce qu'il est homosexuel. Il dit à l'autre, où sont les deux hommes qui sont rentrés chez toi, afin que nous les connaissions? Donc des papas de 500 ans. N'est-ce pas, des mamans de 200 ans, de jeunes enfants, de jeunes hommes, tout le monde était dans la perversion. Ils ont tous voulu pratiquer quel genre de pratique? L'homosexualité pour les hommes et toute forme de vice. Donc c'était une ville qui était assise sur le vice. Et on a vu que Lot était un juge, l'homme était un homme consacré. Mais qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure, frère? On va remettre le pavé sur l'écran. Pour voir si notre frère, Lot, notre ancêtre Lot, n'est-ce pas, s'est laissé influencer ou est-ce qu'il a continué à demeurer dans sa justice. Verset 6. Mais Lot sortit vers eux à l'entrée et ayant fermé la porte derrière lui, il leur dit, je vous prie, mes frères, ne leur faites pas de mal. Verset 8. Voici, j'ai deux filles qui n'ont pas encore connu d'homme. Je vous les amènerai et vous leur ferez ce qui est bon à vos yeux. Seulement, ne faites pas de mal à ces hommes, car ils sont venus à l'ombre de ma poutre. On va encore enlever le passage un instant. Donc ici, on voit que Lot le juste, Lot, n'est-ce pas, qui avait une vie de consécration, sous l'effet, n'est-ce pas, de la pression, sous l'effet, n'est-ce pas, de la ville dans laquelle il vivait, qui était hautement paganisée, l'autre va commencer à céder. Parce qu'on sait bien que chez les Hébreux, il n'était pas permis à des jeunes filles d'aller en mariage et ont perdu leur virginité. Donc ici, l'autre va nous apprendre qu'il a deux jeunes filles vierges qui n'ont pas connu d'homme et l'autre était prêt à vendre, à sacrifier ces deux jeunes filles, à les donner à ces hommes, à ces femmes, pour que ces hommes, il a bien dit, afin que vous fassiez ce que vous voulez. C'est terrible. Donc l'autre, sous l'effet de la pression, sous l'effet, n'est-ce pas, de la ville paganisée dans laquelle il était, a cédé. Il était prêt à donner ces jeunes filles vierges pour que ces hommes les violent. Et avec elles fassent toutes sortes de pratiques sexuelles, sodomisation et toutes les saletés qu'on connaît aujourd'hui. Donc on voit qu'à cause de la pression, on apprend ici qu'à cause du mélange, à cause de la confusion, à cause de la croissance du mal,
un homme aussi juste que Lot a commencé à céder. Frère, ce message, c'est pour tous les disciples de Yeshua. Nous sommes dans un temps tellement critique, où aujourd'hui, autant de lois sont votées pour favoriser le mal et pour nous empêcher d'ouvrir la bouche. La pression peut nous amener à céder. La pression, la peur, l'intimidation peut nous empêcher de clairement dire à nos autorités au Gabon que le mot sexualité est une abomination. Lot a commencé à céder à la pression. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, ah, j'ai reçu ces deux hommes. Ma vie est pervertie, je fais comment? La pression a mené ce juste à se laisser avoir. Frère, qu'il ne soit pas ainsi pour toi et pour moi. Nous voulons aller au ciel, nous voulons voir Yeshua. Et nous ne devons pas à cause de la pression. Et nous ne devons pas à cause de la croissance du péché. Et nous ne devons pas à cause de la loi. Nous taire, nous empêcher, on ne doit pas s'empêcher de dire la vérité. On ne veut pas insulter les gens. On ne veut pas citer les noms de personnes parce que ce n'est pas notre affaire. Mais nous voulons dénoncer le péché. Et l'homosexualité est un péché. Et l'adultère est un péché. Et avoir deux, trois femmes est un péché, la polygamie. Nous voulons le dire haut et fort parce que la parole de notre Seigneur nous l'enseigne. On voit ici que Lot, au lieu de venir, n'est-ce pas, dire à ces hommes que vous ne toucherez nullement à ces hommes, ni à mes jeunes filles, à mes filles qui sont vierges, Lot a cédé. Comme toi et moi, on peut céder à cause de la pression. Imaginez-vous que la police, la gendarmerie, l'armée se présentent à nous. Ils nous demandent de régner le Seigneur. Comment allons-nous réagir? Parce qu'on est en train d'aller petit à petit vers cela. On apprend qu'au Gabon, de plus en plus, n'est-ce pas, il y a certaines choses qui ne sont plus permises de dire. Mais nous, en tant que disciples, on ne peut pas voir le péché passer, ne pas le dénoncer. Peu importe la personne qui est derrière, n'est-ce pas, ce péché, nous sommes obligés, parce que la parole nous recommande de ne pas prendre part aux œuvres des ténèbres, mais plutôt de le dénoncer. Nous sommes obligés de dénoncer pour obéir à notre Seigneur. Parce que comme le dit un adage païen, qui ne dit mot qu'on sent. Donc si en tant que chrétien, on ne se lève pas pour dire que ça c'est péché, ça c'est ténèbre, c'est qu'on accepte cela. Et comme l'autre, nous ne voulons pas plutôt agir comme l'autre qui a fermé la bouche. L'autre devait prendre position pour la vérité. L'autre devait dire clairement à ces hommes qui sont venus devant sa maison, vous ne coucherez avec personne, allez chez vous. Mais il a cédé à cause de la peur. Il a cédé à cause de la pression. Et le Seigneur veut nous encourager à ne pas, n'est-ce pas, être comme l'autre qui a cédé à la pression, mais à garder du caractère. Au risque, comme je l'ai dit vendredi dernier, d'aller en prison. Au risque de perdre nos vies. Parce que les plus courageux doivent être des chrétiens. Parce qu'on a une espérance qui est vivante. Alléluia. On va remettre le paraphile l'écran. Nous sommes dans des temps critiques et nous ne voulons pas nous taire. On est là, on a quel verset? On est au verset 9. Et il lui dit, va-t'en loin d'ici. Il dit aussi, on voit là un qui est venu comme étranger et il veut nous gouverner, nous gouverner. Maintenant nous te ferons plus de mal qu'à eux. Il poussa fortement Lot, l'homme Lot, et s'approcha pour briser la porte. Verset 10. Mais ces hommes étendirent leurs mains, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. On va basculer au verset 14. Lot sortit donc et parla à ses gendres qui devaient prendre ses filles et leur dit, levez-vous, sortez de ce lieu, car Yahvé va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Et on va lever le passage. Donc on voit ici que s'il n'y avait pas l'intervention de ces hommes, de ces anges, Lot aurait cédé pleinement comme il avait commencé à le faire. Et qu'est-ce qu'on apprend ici? Que ces hommes sont venus pour annoncer le jugement futur de Sodome. Pourquoi le Seigneur a décidé de juger la ville de Sodome? C'était à cause de la croissance du péché. Parce que, n'est-ce pas, le péché de Sodome, l'abomination de Sodome, est monté jusqu'aux narines du Seigneur. Et cette odeur n'était pas une odeur agréable. Cette odeur qui est montée vers le Seigneur, vers son trône, est une odeur tellement désagréable qu'il a décidé de juger, de frapper la ville de Sodome et de Gomorre. Et c'est la même chose, si on ne fait pas attention, qui risque d'arriver dans nos nations.
Parce que nous sommes en train de tenter le Seigneur. Nous sommes en train de vouloir dire au Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas peur de toi, nous ne te craignons pas, tu ne peux rien nous faire. On peut librement décider de voter tant de lois impies que nous voulons, tu ne nous feras rien. N'oublions pas Sodome, n'oublions pas Gomorre. N'oublions pas Sodome, n'oublions pas Gomorre. Frères et sœurs, n'oublions pas Sodome, n'oublions pas Gomorre. La Bible nous enseigne que Yahushua est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire que ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Donc ici, on a vu petit à petit, n'est-ce pas, comment au fur et à mesure, l'autre qui était assis au port de la ville a commencé à céder à cause de la pression. On va prendre notre passage dans 2 Pierre chapitre 2. On est dans 2 Pierre chapitre 2, on va lire à partir du verset 4. 2 Pierre chapitre 2, on va lire à partir du verset 4. Si les frères aussi peuvent nous afficher le temps. 2 Pierre chapitre 2, on va lire à partir du verset 4. 2 Pierre chapitre 2, on lira à partir du verset 4. Car si Elohim n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais s'il les a précipités dans le Tartare, dans la géhenne ou l'enfer, où ils sont gardés dans des chaînes d'obscurité pour le jugement, et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a gardé Noah, lui huitième, prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie, et s'il a condamné à la destruction totale et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre, les donnant en exemple à ceux qui, par la suite, vivraient dans l'impiété. Verset 7. Et s'il a délivré Lot, le juste, qui était profondément affligé par la luxure sans bride de ses hors-la-loi. Car ce juste, habitant parmi eux, torturait de jour en jour son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait dire de leurs œuvres violeuses de la Torah. On va, n'est-ce pas, enlever le passage un instant. On va enlever le passage un instant, on revient. On apprend ici que le Seigneur a pu délivrer Lot, comme on le voit dans l'histoire. Parce que Abraham, n'est-ce pas, son oncle, a pu intercéder pour lui. On apprend quoi ici? Que Lot, ce juste, son âme était tourmentée jour après jour par ce qu'il entendait et par ce qu'il voyait. Donc on a pu voir, comme on l'a vu dans Genèse 19, qu'à cause de ce que l'autre voyait, entendait chaque jour, son âme a commencé à être influencée. C'est pourquoi il a voulu donner ses jeunes filles, ses filles qui étaient vierges. Oui, frère, la pression, le mal grandissant peut nous amener à céder. Mais nous ne devons pas céder. Nous devons tenir ferme. Nous devons demeurer dans la consécration, demeurer dans l'obéissance, demeurer dans la pureté. Parce que le Seigneur sait délivrer les hommes justes. Donc on apprend ici que l'âme de Lot était tourmentée jour et nuit par ce qu'il voyait, ce qu'il entendait. Comme nous aujourd'hui, nos âmes sont tourmentées quotidiennement par des jeunes filles qui s'habillent, elles sont dénudées en route. Nos âmes sont tourmentées, n'est-ce pas, par la croissance du mal, par la perversion, par le chaos. Oui, nos âmes sont certes tourmentées, mais nous ne devons pas céder. Comme Lot auprès de vouloir donner ces jeunes filles qui étaient vierges. C'est une image de la sainteté. Parce que la virginité, c'est l'image de la sainteté. Donc nous ne devons pas livrer notre sainteté. Nous ne devons pas livrer notre pureté au péché, au monde et au mal. Comme Lot a voulu livrer ces jeunes filles qui étaient encore vierges. On va remettre le passage un instant. On va lire le verset 9. Le Seigneur sait comment délivrer de la tentation ceux qui l'honorent et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. On va enlever le passage. Donc on apprend ici que le Seigneur sait délivrer les hommes et les femmes qui l'honorent. C'est pourquoi, frères, sœurs, vous qui nous regardez, le Seigneur sait délivrer les hommes justes de l'épreuve. On apprend que le Seigneur sait délivrer les hommes et les femmes qui l'honorent. Honorons le Seigneur, disons la vérité. Honorons le Seigneur, marchons dans la consécration. Honorons le Seigneur, veillons sur nos vies. Ne tombons pas dans le mélange. Ne tombons pas dans l'apostasie qui règne actuellement. Parce que le Seigneur sait délivrer les hommes justes. Voici un peu ce qu'on pouvait dire concernant la vie de Lot. On veut donner juste l'essentiel, on ne veut pas aller en profondeur.
Donc, tu as commencé à se laisser influencer. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi et moi. Demeurons dans la vérité. Demeurons dans la justice. Quand c'est blanc, disons que c'est blanc. Quand c'est jaune, disons que c'est jaune. Parce que, avec le Seigneur, un peu de levain fait lever toute la pâte. Lorsqu'on commence à diluer la vérité, on commence à se laisser influencer. Quand on commence à diluer la vérité, on rentre dans le mélange. Et nous voulons clairement dire que le péché reste le péché et le Seigneur n'honore pas le péché. Même si nos États veulent légaliser le péché comme c'est fait dans beaucoup de nations avant nous, le Seigneur en horreur le péché. Comme dans certains États où la pédophilie est légalisée, le Seigneur en horreur la pédophilie. Donc, retenons ici que le Seigneur s'est délivré des hommes qui l'honorent. Et honorer le Seigneur, c'est garder sa parole. On va prendre un passage dans Romains chapitre 12, à partir du premier verset. On est dans Romains chapitre 12, on va lire à partir du premier verset. Donc on va bientôt finir sur la vie de Lot, on va aller sur la vie de Noé, on va terminer, on ne va pas être très lent. Romains chapitre 12, on va lire à partir du premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, fin agréable à Élohim. C'est votre culte spirituel. Et ne vous conformez pas à l'âge, à cet âge-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. On va lever le passage. Donc ici, Paul nous encourage à ne pas nous conformer à l'âge présent, frère. Parce que l'âge présent vote des lois impies. Parce que l'âge présent est en train de préparer l'avènement de l'anti-machia. C'est pourquoi Paul, par l'intelligence que l'Esprit lui a donnée, nous encourage à ne pas nous conformer à cet âge-ci. Parce que c'est un âge de perversion, c'est un âge abominable. Et n'oublions pas que le Seigneur nous appelle une génération qui devait avoir son retour, c'est la génération dans laquelle nous sommes. C'est la génération qui a atteint le paroxysme du mal. Notre génération a sans doute dépassé la génération de Sodome et de Gomorre. Parce que le Seigneur a été clair par rapport à Capernaum et par rapport à Chorazin. Il a dit, si les miracles qui ont été faits parmi vous ont été faits dans la vie de Sodome et de Gomorre, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties. Donc Sodome et Gomorre, on n'a pas vu le Mashiach. Mais nous, notre génération a vu le Mashiach. Par sa mort, le Mashiach était déjà mort et ressuscité. Mais malgré la mort, la résurrection du Mashiach à la croix, regardez comment notre génération s'empire dans le mal. Plus le temps passe, le mal ne fait que gourmander. C'est notre génération qui va voir le retour du Mashiach. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas nous conformer à cet âge-ci. Il fait un âge impie. Il nous demande de rechercher quelle est la volonté du Seigneur. Ce qui est bon, agréable et parfait. Parce qu'il veut qu'on grandisse dans la volonté du Seigneur. On commence par ce qui est bon, ensuite ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ne nous limitons pas à ce qui est bon. Ne nous arrêtons pas à ce qui est agréable. Mais recherchons ce qui est parfait dans la volonté de notre Elohim. Ne cherchons pas comme certains à vivre dans une forme de volonté permissible, non. Cherchons à rechercher ce qui est agréable, ce qui est bon, agréable et parfait pour notre Elohim. Et ce qui est bon, agréable et parfait pour notre Seigneur dans ces temps, c'est quoi? C'est que nous marchions dans la sainteté. C'est que nous restions à ses pieds, dans le secret. C'est que nous dénoncions pleinement les œuvres des ténèbres. C'est que nous marchions dans la vérité, c'est que nous marchions dans la lumière. On va prendre un autre passage dans Genèse. On va lire Genèse chapitre 6 à partir du verset 8. Donc on a fini un tout petit peu avec la vie de Lot. On va voir la vie de Noé et puis on va terminer. Genèse chapitre 6, on va lire à partir du verset 8. Donc on a vu déjà que durant le temps de Sodome, il y avait une croissance du mal qui était exponentielle. Et qu'à cause de cela, Lot le juste s'est laissé plus ou moins influencer. Mais le Seigneur accorde sa fidélité à garder Lot. Genèse chapitre 6, à partir du verset 8. Mais Noah trouva grâce aux yeux de Yahweh. Verset 9. Voici la postérité de Noah. Noah était un homme juste et intègre en son temps. Noah marchait avec Elohim. On va enlever le passage. Ici, qu'est-ce qu'on retient déjà? Concernant Noah ou Noé,
On apprend que Noah était un homme juste et intègre dans sa génération. Contrairement à Lot, à un moment donné, Noah a conservé cette nature jusqu'à la fin. Et c'est l'attitude de Noah que nous devons conserver dans ce temps. On va le voir. On dit que Noah est un homme intègre et juste durant sa génération et il marcha avec Elohim. C'est-à-dire que malgré la croissance du mal, Noah n'a pas cessé de marcher. Parce que c'est quoi marcher avec Elohim? Marcher avec Elohim, c'est marcher selon sa parole. Marcher avec Elohim, c'est marcher selon son esprit. C'est-à-dire que Noah, malgré la croissance du mal, marchait tout selon la parole et selon l'esprit de Yahweh. Alléluia. Et c'est ce que Yeshua attend de toi et de moi dans cette génération. Que nous restions, nous demeurions juste et intègres. L'intégrité morale et l'intégrité sur tous les aspects. Pourquoi pas d'intégrité? Parce qu'on est dans un monde rempli de corruption et de compromission. C'est pourquoi il est nécessaire de garder l'intégrité. L'intégrité, c'est la justice. L'intégrité, c'est dire la vérité. Être intègre, c'est simplement, en des termes simples, c'est marcher selon la vérité, selon la lumière. Donc Noah ne s'est pas laissé influencer. On a vu que, on le verra, que durant le temps de Noah, n'est-ce pas, il y avait des moqueurs. Pendant qu'ils construisaient l'arche, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce monsieur? On n'a jamais vu de déluge de pluie, qu'est-ce qu'il nous raconte ce monsieur? Il aurait pu céder. On a vu qu'au temps de Noah, qu'est-ce qui se passait? Les hommes se mariaient, leurs enfants étaient dans la distraction. Noah aurait pu, n'est-ce pas, arrêter de construire l'arche. Au temps de Noah, qu'est-ce qui se passait? On a dit que la croissance, le cœur de l'homme se tournait chaque jour uniquement vers le mal. Noah est resté intègre. Il a continué à marcher avec Yeshua. Chrétien, chrétienne, enfant de Yeshua, c'est cette attitude que le Seigneur attend de toi et de moi dans ce temps. Parce que je vous assure, les choses ne vont pas s'améliorer. Mais il faut qu'on ait le front dur. Il faut qu'on ait du caractère pour confronter les ténèbres. Sinon, on va céder. Imaginez-vous que l'armée se mette derrière nous, à pourchasser les chrétiens. À cause de la prison, à cause de la mort, vas-tu régner ta foi? Vas-tu laisser passer l'éternité à cause de la crainte des hommes? Yeshua était clair dans sa parole. Je ne sais plus lequel le prophète le disait. Que la crainte des hommes tend un piège. Et nous sommes dans une génération où on veut nous amener à craindre l'homme. Mais la crainte des hommes tend un piège. Pourquoi? Parce que la crainte des hommes nous amène à nous corrompre, à nous compromettre, à nous souiller. C'est la crainte de Yeshua qui ne tend pas de piège. Parce que la crainte de Yeshua nous donne de marcher selon ses commandements. Il s'agit du ciel. Il s'agit de l'éternité. C'est pourquoi, chrétien, n'acceptons pas le mélange. N'acceptons pas de tomber dans Babylone. N'acceptons pas d'appeler conspiration ce qu'ils appellent conspiration. Donc, n'acceptons pas d'appeler bien ce que le monde appelle bien. Aujourd'hui, on légalise l'homosexualité. On dépénalise cela au Gabon. Est-ce que les chrétiens doivent accepter cela? Nous disons non, non et non. Pas d'homosexualité dans ce pays. Nous voulons le dire haut et fort. Même si la loi des hommes l'autorise, la loi de notre Seigneur Yeshua qui nous a sauvés ne l'autorise pas, nous n'acceptons pas cela. Est-ce que dépénaliser l'adultère est une bonne chose? Notre Seigneur a créé l'homme et la femme, Isha et Isha, mâle et femelle. Nous disons non, pas de un mari et de deux femmes. Nous disons non à cela. Oui frère, comme Noah, nous voulons marcher avec Elohim jusqu'à la fin. Au risque d'être pendu, d'être sacrifié, nous allons nous reposer au ciel. Nous sommes l'armée d'Elohim. Il nous a enrôlés dans son armée. Nous voulons marcher. Car il est devant nous. Il nous tient par la main. Nous sommes avec Yeshua plus que vainqueurs. C'est pourquoi, chrétiens, soyons encouragés, soyons fortifiés. Ne cédons pas à la peur. Ne cédons pas au laxisme, à la passivité que Satan veut nous inspirer. Ne cédons pas à cela. Ne soyons pas des paumés spirituels. Ne soyons pas des lâches. Ne soyons pas des lâches, des peureux. Nous voulons nous lever pour la cause du royaume. Si nous ne parlons pas pour notre royaume, qui parlera à notre place de notre royaume, frère? On va remettre le passage un instant sur l'écran. Nous voulons encourager les disciples du Seigneur. On est au verset 12, n'est-ce pas, c'est ça? Non, on n'est pas au verset 12, on est au verset 11. Verset 11, les frères, remontent s'il vous plaît. Et la terre était corrompue devant Elohim. La terre était remplie de violence. Donc on apprend ici que la terre était corrompue et la terre était remplie de violence. Mais Noah n'est pas tombé dans cela. Verset 12. Elohim donc regarda la terre, et voici elle était corrompue.
quand, excusez-moi, quand toute chair avait corrompu sa voix sur la terre, en levant encore le passage un instant, frères et sœurs. On apprend ainsi que la terre toute entière était corrompue, frère. On apprend que toute chair, on n'y parle, on ne dit pas une partie de la chair. Il dit toute chair, on nous parle des humains. Donc on ne dit pas qu'une partie. On dit que tous les humains avaient décidé de corrompre leur voix. Imaginez-vous, s'il y avait 1000 habitants dans cette ville, sur la terre à l'époque, s'il y avait 1000 habitants, plus de 900 combien étaient corrompus. Seul Noah, n'est-ce pas, son épouse et ses enfants, et ses deux gens étaient justes. Donc imaginez-vous, sur toute la terre, 8 étaient justes. Sur 1000, par exemple, on prend un homme comme ça, la terre était remplie de 1000 habitants. Il y avait à peine 8 justes. Donc ça veut dire que 992 étaient injustes, avaient corrompu leur chair, leur voix sur la terre. Alors, mais Noah, il aurait pu céder, mais il n'a pas accepté de céder. Il s'est dit, je resterai fidèle à mon Yeshua jusqu'à la fin. Et nous voulons rester fidèles, parce qu'il ne nous a pas sauvés pour chuter. Il ne nous a pas sauvés pour retourner à nos vomissures, à nos vomis. Il nous a sauvés pour le ciel. Et nous sommes en marche pour le ciel. L'arrivée du Seigneur, la venue du Seigneur est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Pourquoi allons-nous céder en 2020? Pourquoi allons-nous céder en 2020, frères et sœurs? Tenons ferme. Toi qui as baissé dans la prière, toi qui as baissé dans la méditation, toi qui as commencé à te corrompre, à te mélanger, sors de là par la puissance de l'esprit de Yeshua. Donc toute chair avait corrompu sa voix. La terre était dans la violence, comme Sodome. Mais Noah a accepté de payer le prix. On va remettre le passage un instant, on finit bientôt. On remet le passage, s'il vous plaît, les frères. On est au verset 13. Et l'homme dit à Noah, la fin de toute chair est venue devant moi, car il remplit la terre de violence. Et voici, je l'ai détruirai avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher, une arche de bois, fais-toi une arche de bois de gopher. Tu feras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids à l'intérieur et à l'extérieur. On va s'arrêter là. On va lever le passage, s'il vous plaît. Donc, Noah ici, le Seigneur recommande à Noah de construire l'arche. Lorsqu'on regarde un tout petit peu les Écritures, Noah a quasiment mis un siècle, c'est-à-dire 100 ans, à construire l'arche. Donc, imaginez-vous, pendant 100 ans, 100 bonnes années, Noah subissait les moqueries, les railleries du peuple. Voyait le mal augmenter, mais il est resté fidèle. Il est resté ferme. Il est resté intègre. Pourquoi est-il resté intègre? Eh bien, parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux fixés sur le ciel. On va prendre un passage dans Hébreu. On est dans Hébreu, n'est-ce pas, chapitre 11. On va lire le verset 7, à partir du verset 7. Hébreu, chapitre 11, on va lire à partir du verset 7. L'attitude à voir, c'est l'attitude de Noah, et non celle de Lot, qui à un moment donné s'est laissé séduire. Nous devons avoir l'attitude de Noah, qui est resté intègre jusqu'à la fin. On dit homme juste et intègre, marchant avec Elohim. Hébreu 11, on va lire à partir du verset 7. Hébreu chapitre 11, on va lire à partir du verset 7. Donc on apprend quoi ici? Par la foi, Noah ayant été divinement averti au sujet des choses qui ne se voyaient pas encore, craignit et construisit l'arche pour le salut de sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Amen. On va remonter un tout petit peu, voilà. Par la foi, Noah ayant été divinement averti au sujet des choses qui ne se voyaient pas encore, craignit et construisit l'arche pour le salut de sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. On peut enlever. Donc on a vu ici que Noah a conservé la crainte du Seigneur. Il était divinement averti des choses qui ne se voyaient pas encore. Comme aujourd'hui, on ne voit pas le retour du Seigneur avec nos yeux physiques.
Mais on veut craindre cela parce que la parole du Seigneur s'accomplira certainement. Donc on apprécie que Noé, cet homme juste, est demeuré dans la vérité, n'est-ce pas? Oui, il a demeuré dans la vérité, dans la justice. Il a dénoncé terriblement les œuvres des ténèbres. On dit qu'il a condamné le monde du passé par sa justice, par sa vie de sainteté, par sa vie de consécration. On va répondre 2 Pierre 2:5. On va répondre dans la Bible dans 2 Pierre chapitre 2, on va lire le verset 5. 2 Pierre chapitre 2, on va lire le verset 5. Et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a gardé Noé, lui huitième prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde d'impies. On va enlever le passage. C'est quel le qualificatif ici qu'on donne à Noé, prédicateur de la justice. Un prédicateur de la justice, c'est quelqu'un qui prêche la vérité. Donc on voit que Noé en son temps, en temps de forte apostasie, Noé en temps, n'est-ce pas, de péché grandissant, et demeurer prédicateur de la justice. Il est demeuré, n'est-ce pas, il a demeuré autant pour moi, prédicateur de la vérité. Et c'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous pour ces temps terribles. Que nous demeurions prédicateurs de la justice. Que nous dénoncions les œuvres des ténèbres. Que nous prêchions la bonne nouvelle du salut. Nous voulons prêcher le salut en Yeshua seul. Le salut n'est pas dans une religion. Le salut n'est pas dans une assemblée. Le salut se trouve dans la personne seule de Yeshua. Pour vous qui fréquentez des assemblées, ou n'est-ce pas vos pasteurs, les pasteurs prêchent un évangile qui n'est pas soutenu par la parole. Il faut sortir de là. Il faut chercher le Seigneur chez soi, à la maison. Il faut prier, il faut méditer, il faut revenir à l'évangile véritable. Parce que le Seigneur est plus que jamais en train de revenir. C'est le temps de rentrer dans l'arche. On l'a appelé l'arche du salut. L'arche était une préfiguration de Yeshua, qui est mort pour notre salut. Voilà, frères, ce que je pouvais partager avec vous pour nous encourager. Les frères peuvent nous afficher le temps. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour nous encourager par rapport au temps de Lot et de Noé et de Noah. Quelle attitude avoir? L'attitude à avoir, c'est de demeurer dans l'intégrité. L'attitude à avoir, c'est de demeurer dans la vérité. L'attitude à avoir, c'est de conserver sa communion avec le Seigneur. L'attitude à avoir, c'est de demeurer dans la prédication de la justice, la prédication de la vérité de l'évangile. C'est de dénoncer clairement les œuvres de ténèbres. Ne nous souillons pas, ne nous mélangeons pas. Ne tombons pas dans le compromis parce que tout le monde tombe dans le compromis. Le Seigneur attend de nous que nous demeurions intègres, que nous marchions avec lui jusqu'à la fin. Et n'oublions pas Enoch. On dit Enoch marcha avec Elohim et il fut pris afin qu'il ne voie point la mort. La conséquence de la marche avec le Seigneur, c'est que nous partirons lors de son avènement. C'est pourquoi battons-nous, efforçons-nous de nous sanctifier, de nous consacrer, de demeurer dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas toujours facile, je peux vous le rassurer, ce n'est pas toujours facile. Mais le Seigneur a dit qu'avec lui, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Donc voilà, frères et sœurs, l'encouragement que j'avais pour nous. On va clôturer par la prière. Je veux qu'on prie pour nos cœurs, je veux qu'on prie pour nos vies, je veux qu'on prie pour la nation gabonaise, pour que le Seigneur étende sa main, intervienne. Je veux qu'on prie pour l'église de Yeshua, que l'église se réveille et sorte du sommeil. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton esprit, merci pour ta présence. Seigneur, donne à ton église de ne pas se corrompre, de ne pas se compromettre, de ne pas se laisser influencer par le mal. Donne à chacun de nous de demeurer dans la vérité, de demeurer dans la lumière. Tu vois tous ces chrétiens qui étaient prêts, n'est-ce pas, à abandonner la foi, renouvelle et restaure leur force. Seigneur, tu vois notre nation qui, petit à petit, est en train de s'empirer dans le mal, étant ta main puissante, étant ton bras puissant, Seigneur, que nos autorités reviennent à des meilleurs sentiments, Seigneur. Fais justice à l'orphelin, aux pauvres, à la veuve. Fais justice à la nation qui est opprimée, qui est oppressée. Brise par ta parole l'orgueil de l'oppresseur, car tu déclares que tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Brise l'orgueil, Seigneur, de l'orgueilleux, de l'oppresseur. Il fait grâce à celui qui a le cœur brisé. Répands dans la nation une onction de repentance, afin que les familles reviennent à toi, afin que la population de la nation revienne à toi.
Seigneur, la nation gabonaise a une destinée prophétique. Et nous refusons que cette destinée prophétique plonge, soit bafouée par le mal, par les ténèbres, par les mauvaises alliances, par les mauvaises décisions qui sont prises ici et là, Seigneur. Réponds une onction de repentance et pardonne une fois de plus nos fautes, pardonne nos péchés. Nous voulons t'aimer, nous voulons te craindre. Tu es l'Elohim du Gabon. Le Gabon n'appartient pas à Mami Wata. Le Gabon n'appartient pas à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix. Le Gabon n'appartient pas au Bouti, au Njembe, au Vaudou. Le Gabon n'appartient pas à l'homosexualité, à l'adultère, au péché. Le Gabon appartient à Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort à la croix pour nos péchés et nos fautes. Seigneur, le Gabon t'appartient. Tu es le sauveur du Gabon. Nous te le consacrons. Nous te le dédions, Seigneur, que tout ce qui est des ténèbres prenne la fuite. Nous chassons Mami Wata de ce pays. Nous chassons, Seigneur, l'homosexualité. Nous chassons la franc-maçonnerie, la rose-croix, l'occultisme. Nous chassons le vaudou. Nous chassons toutes ces pratiques occultes, mystiques, sataniques qui sont pratiquées dans cette nation au nom de Yeshua. Père, nous invoquons ton règne. Nous appelons ton règne sur cette nation. Nous appelons ton règne comme cette prière que tu as prise à tes disciples. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur la nation. Que ton règne chasse le règne du péché, le règne des ténèbres, au nom de Yeshua, notre Elohim. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Yeshua. Amen. Donc, frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde chez vous, en famille. Continuons à prier pour la nation. Continuons à élever des mains pures vers le Seigneur pour notre pays. Nous voulons voir la lumière du Seigneur revenir dans la nation. Nous voulons voir la puissance des ténèbres reculer. Je veux encourager tous les disciples du Seigneur, tous les chrétiens, tous les enfants du Seigneur. Levons-nous chez nous dans la prière et dans le jeûne. Tant qu'on ne va pas ces lois impies changer, tant qu'on ne voit pas la nation revenir au Seigneur, n'arrêtons pas de prier, de crier au Seigneur, car le Seigneur écoute nos cris. Le Seigneur écoute nos cris. Il va faire justice à la veuve, à l'orphelin. Le Seigneur écoute nos cris. Il va lui-même apporter un changement radical. Parce qu'il est puissant, il est redoutable. C'est pourquoi, chrétiens, levons-nous dans la prière, levons-nous dans l'intercession. Au nom de Yeshua, Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta lumière jaillisse, qu'elle consume et qu'elle chasse la puissance des ténèbres. Que toute la gloire te revienne. Bonne soirée à tous, que la paix du Seigneur soit sur nous. Amen.